À tous et à tous. Merci pour votre présence, pour ce concert que nous allons écouter cet après-midi. Je voudrais en préambule vous faire une petite information d'ordre administratif, je dirais, puisque je suis président des Amis de l'Ordre de Thomery, mais je vais quitter Thomery. Donc la place de président devient vacante et Jean-Pierre Hazard, qui va venir me rejoindre, prendra ma succession à la présidence des Amis de l'Orgue. Je voudrais en tout cas profiter de cette occasion pour formuler tous mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé durant les 3 années pendant lesquelles j'ai présidé cette association, qui a été créée en octobre 2007. Tous mes remerciements d'abord au bureau qui était autour de moi, conseiller artistique et technique Jean-Michel Saint-Cierge, mon secrétaire Pierre Bressol, mon trésorier Isidore Houtebas, et puis également mes remerciements à la commune de Thomery pour toute l'aide et pour toute l'assistance qu'elle a apportée à cette association depuis sa création jusqu'au concert que nous faisons aujourd'hui et qui continuera à l'avenir. Monsieur Hazard, j'aimerais qu'il se présente. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu là. Je vous passe le micro une seconde et ensuite donc, je présenterai le concert. Je vous remercie. Alors donc, on m'a demandé de. Sache que relativement difficile d'être président et de remplacer quelqu'un qui a créé quelque chose. J'espère que tous les concerts seront comme ce soir avec beaucoup de monde. Je vous remercie de ce que vous avez fait et j'espère que les 3 ans qui vont venir vont nous permettre de continuer ce que vous avez fait. Et bien entendu, si je suis président, le bureau n'est pas changé, donc je pense que tout se passera pour le mieux, dans le meilleur des mondes et pour la musique. Je vous souhaite une agréable après-midi. Merci pour ces compliments. Donc, M. Hazard a été nommé président successeur par une assemblée qui a eu lieu cette semaine et un conseil d'administration. Mais maintenant, place à la musique, place au chant, place à l'orgue. Nous allons avoir un concert très intéressant avec Sophie Seferiades, qui est soliste art lyrique, Emmanuel Mendès, qui est ténor, titulaire des chœurs de l'Opéra National de Paris, et Philippe Reverchon, qui est pianiste, aujourd'hui il sera organiste, qui est chef de chant des chœurs de l'Opéra National de Paris. Il se présentera tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons avoir le plaisir, en ouverture, d'avoir la participation de l'ensemble vocal de Thomery, qui va nous interpréter 2 œuvres de Podalic. Je vais laisser la place à Madame Guillaume, qui dirige cet ensemble vocal, pour qu'elle vous présente brièvement l'œuvre de Podalic. Merci pour votre attention.